Bref les gars, test de pureté ou pas les gars? Vous êtes chaud? On va faire un petit test. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti les gars. Test de pureté. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Honnêtement, non. Ça dépend comment. C'est juste pour genre tranquille, chill. Non, j'ai pas envie de me mettre dans la merde, mais non. En vrai, c'est non jamais. Avez-vous déjà ri d'une personne malentendante ou physiquement handicapée? Bah non, du coup c'est pareil. Sois honnête. Comment ça, sois honnête? Je suis honnête, espèce de bâtard. Là. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Alors c'est pas dans mon habitude, mais c'est possible que ça m'ait déjà arrivé. Poser un lapin pour vous, c'est quoi les gars? C'est au dernier moment, tu peux pas? Ou genre tu lui dis pas? Si c'est prévenir dans les dernières minutes, ça a dû déjà m'arriver. Ah, tu préviens pas? Ben non, je pense pas que ça m'ait déjà arrivé. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Je vais dire peut-être deux fois. En voiture? Non, pas forcément en voiture. Je vais dire deux fois, mais... Parce que moi, il y en a une, je suis sûr. On faisait du parcours sur un lieu public. Enfin, sur un toit public. Donc ça, les gars, ne faites pas. C'est interdit. Même moi, je savais pas, voilà, mais c'est pas grave. On s'est fait niquer par les flics. Peut-être que la personne se reconnaîtra, parce que voilà. Coucou. Mais du coup, je vais peut-être dire deux fois, parce que je crois qu'il y a une autre fois aussi que ça m'est déjà arrivé. Peut-être on s'est fait courser, peut-être. Ah, dans la voiture des flics. Ah, c'est juste la voiture des flics, zéro. Je suis jamais rentré dans une voiture des flics. T'es un délinquant, mais pas du tout. Arrête. C'est une dinguerie. Bon, on va dire une fois, vas-y. On va dire une fois. Non, c'est faux. Non, bah non. Moi, je touche pas à ça. C'est haram. Non. Moi, je mens pas, les gars. Moi, je mens pas. J'ai jamais touché à l'alcool, les gars. Bref. Honnête. Ouais, je suis honnête, les gars. 48 heures. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible, oui. Non, attends. Est-ce que ça m'est déjà arrivé, les gars? Être ivre pendant 48 heures. Plus de 48 heures. Les gars, aidez-moi dans le chat. Je sais que vous le savez. Parce que la plupart, c'était avec vous. Pas avec vous? Bah, c'est possible que ça soit non, alors. Non, bah, vas-y, on va mettre non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Vous êtes déjà pissé dessus pendant que vous étiez ivre? Non. À part, ça dépend. Ça... Non, c'est le mec qui commence à faire des... Non. Vas-y, ça y est. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Ouais, mais bien sûr, hein. Tiens, tiens, tiens. Qui n'a pas fait ça? Si t'as déjà été ivre ou quoi, t'as déjà fait ça, c'est sûr. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non, sachant que j'ai jamais vomi avec l'alcool. Mais par contre, j'avais des sensations où je voulais vomir, mais j'arrivais pas à vomir. Ouais. Donc, est-ce que ça compte? J'ai jamais vomi avec l'alcool, donc non, je peux pas. Merde, j'ai dit oui! Ah, j'ai mis oui! Comme un con, non? Oh, le con! Non! Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non, bah non, du coup j'ai pas vomi. Vous avez déjà fait des sorties de force dans... Ah oui, ok, non jamais. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non, c'est pas trop mon truc. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le... Bon, allez. Bon, bah oui. Non, en fait, je vous explique. En gros, on venait de se lever là. Bah, c'était le lendemain de soirée. J'étais allé voir Morel dans sa chambre et tout. J'avais vu la bouteille de vodka là, elle était pas finie. J'ai pas commencé à me faire trois shots de vodka dès le matin. Après, on avait pris la voiture, les gars. Dans la voiture, j'étais là. J'étais pas au volant. T'as pas de mémoire? Mais moi, j'en ai une très bonne pour ça. Des fois, j'ai pas de mémoire, mais pour ça, putain, ça m'a marqué. Ah, mais oui, mais y a pas que ça, mais plusieurs fois même. Ah, oui, c'est vrai. Y a pas longtemps. Enfin, y a un an, je crois. Je commence à boire un verre de vodka tous les matins. Parce que vous savez pas, mon grand-père, origine polonaise et tout, il avait vécu 107 ans ou un truc comme ça en buvant de la vodka tous les matins. Et tu me stylé de fou. Alors je vais essayer. Bref, avez-vous déjà bu de l'alcool pendant pour le petit déjeuner? Je pense que je vous ai déjà bien répondu. Oui, buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Si c'est habituel, non, pas du tout. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Il me semble que oui. Il me semble que ça m'est déjà arrivé, même sur un radiateur. Donc, bah ouais, je pense que j'ai déjà dormi dans les toilettes. Ça m'étonnerait pas. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Mais pas forcément, non. Pas forcément, mais c'est de l'alcool, tu vois. Avec l'alcool ou quoi, bah après, je m'en fous un petit peu, tu vois. Vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. À part te prendre un KO, mec, je vois pas pourquoi tu vas dormir ou t'évanouir là-bas. Je vois pas. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ouais, souvent, avec Morel, on fait ça pendant les soirées. Ouais, c'est tellement bien. Non, vas-y, frérot. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Attends, parce que là, il faut faire marcher le cerveau. Toi, en pureté, t'es à moins de... Carrément. Ah ouais, mais il a tellement d'histoires d'alcool, c'est vrai. Non, je crois que j'ai jamais vomi. Hein.
Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Qui l'a pas fait, frérot? Frérot, tu pisses dehors, mec, c'est pas prévu à cet effet, mais qui ne l'a pas fait? Celui qui l'a pas fait, et que vraiment c'est vrai, je le félicite. Avez-vous déjà essayé la drogue? Arrête la drogue! La quoi? La drogue! Ah oui! Ah oui! Bah, je pense que beaucoup l'ont essayé déjà. Je vais pas faire un speech dessus, mais bon, voilà. T'as dit qu'il... Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je sais plus, moi, je sais plus. C'est une dinguerie de faire ça. Je sais plus. Ah, c'est pas quotidien, c'est essayer. C'est essayer, mais je sais plus. Trop. Ah, arrête. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a quoi? Il y a le cocaïne. C'est vrai qu'il ici tout. Non, je crois que c'est 3. Ouais, 3. Ouais, je crois que c'est 3. Avez-vous déjà été défoncé plus de 48 heures? Non, ça y est. Consommez-vous régulièrement? Bah non, du coup. Avez-vous déjà acheté de la... J'ai déjà accompagné quelqu'un, je crois. Ouais, du coup, on va mettre celui. Du coup, les gars, ça va, les gars? Oui, ça va. Ouais, franchement, ça va. Tout va bien. Avez-vous déjà vendu de la... Non. Avez-vous déjà été en bad trip? C'est quoi déjà en bad trip, les gars? Bad trip, c'est quand tu pars en Thaïlande. T'es en road trip, ça, espèce de... Non, je crois bad trip, c'est quand t'es pas bien, quoi, à cause de la drogue, quoi. Ah, c'est un mauvais voyage ou un mauvais délire. Une mauvaise expérience liée à la prise de drogue hallucinogène. Donc, oui. C'est pas arrivé, oui, c'est bien. Avez-vous déjà initié quelqu'un? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il... Frérot, c'est quoi ces questions? C'est des questions de détraqué, là, frérot. C'est des questions détraquées. Avez-vous déjà fait une sex tape? Ah oui, plusieurs. Ah oui. Ah. Ah oui. Wesh, t'as gris. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ah non. Ah non, pas du tout. Bah oui, bien sûr. Avez-vous déjà embrassé ou... Frérot. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ouais, je vois. Là, on va dans le sexe. Ah oui, là, ça est notre niveau, là. Oui. Jusqu'à l'orgasme de la personne ou de nous? Si c'est moi, c'est non, je crois. Avez-vous déjà eu droit de relation sexuelle? Non, ça m'est jamais arrivé, les gars. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Ah oui. Ah oui. Bien sûr. Tout le temps les gars. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Mais c'est la même chose. Avez-vous déjà été impliqué? Oui, bah oui. Bah oui. Jusqu'à là. Ça c'est la suite de la question. Oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Mais du coup pas moi, la fille. On est d'accord. Un rapport anal dans les deux cas. Ok, bah oui. Jusqu'à là. L'orgasme, c'est possible ça? Du coup, non, j'ai jamais fini. Non. Avez-vous déjà fait un 69? C'est quoi, les gars, 69? C'est le mec premier degré. C'est quoi 69, les gars? C'est un chiffre? Je sais pas. Avez-vous déjà eu une infection sexuelle? Sexuellement transmissible? Non. Pas à ma connaissance. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Non, jamais, je suis toujours protégé, les gars. Toujours protégez-vous, bien sûr. Ouais, protégez-vous, c'est très important, les gars. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non, pas à ma connaissance, en tout cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non. Comment ça, mon ref? Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Non. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance? Non. Ah oui, avec Morel, c'est vrai. Avez-vous déjà eu des expériences sado? Quoi? Ou pratiquer le bondage? Le bondage? C'est quoi le bondage? Ça doit être un truc en rapport avec ça, mais du coup, non. Avez-vous déjà utilisé... Non. Vous êtes déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Le pire, c'est que je crois que c'est réel. Vas-y, je vais dire oui. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est oui. Donc, par doute, je vais dire oui. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? Mais c'est privé, ça! Wesh, c'est une dinguerie! Attendez, déjà, je compte. Attendez, les gens, je compte. 3, je pense. Je crois que c'est 3. Donc 3, je crois. Avez-vous déjà acheté quelque chose? Non. Ça m'est déjà jamais arrivé déjà d'aller dedans. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. On vient pas du Nord ici. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire, vous excite? Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de... C'est quoi cette question, là, wesh? C'est une question. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Ouais. Oui. Combien de fois? Wesh. Mais ça y est, tu crois que je vais...
Ouais, je sais pas, frère. Je vais mettre 2. Ouais, mais je sais plus. Ouais, 2, allez. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire? Non. Quand même. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la famille? C'est une dinguerie, frère. Oh, c'est pas une IA qui fait ce site-là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non. Voilà. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire? Non, en vrai, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous? Non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Mais oui, bien sûr. Bah oui, ça arrive pas forcément à tout le monde, mais oui. Avez-vous déjà léché l'œil, un orteil, une oreille? Alors un œil, non. Un orteil, encore moins. Une oreille, ça dépend si ça compte l'lobe de l'oreille. Tu sais, vous savez ça là. Ça compte l'lobe de l'oreille. Non, vous voulez mettre dans la sauce sur la note, hein? Non, non. Vous êtes déjà masturbé? Oh. Non, ça m'arrive jamais, frérot. Avez-vous déjà masturbé en téléphonant? Non. Masturbation mutuelle. Faut le dire, Morel. Faut le dire, ça. Passe. Allez, c'est bon, non. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, urinée sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner? Mais c'est une dinguerie. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Bah oui. J'ai l'impression que ces questions, c'est en mode, tu vois, genre, pas tout le monde fait ça. Vous avez fait au moins un rêve érotique dans votre vie, non? Avez-vous déjà été voyeur ou voyeuse? Alors ça dépend dans quel sens, hein, frérot. En mode, tu regardes... Non, ouais, c'est une dinguerie, non. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Si c'est vraiment pour ça, il faut le dire, les gars. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux rues dans la rue ou le tout dans l'urgence sans préliminaire ou presque? Mais en tout cas, les circonstances qui me mettent là, je crois que ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Ça fait beaucoup de questions sur le sexe, mon gars. Pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis? Genre, actuellement partenaire? Non, c'est ce qu'il voulait dire. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Moi-même, je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais la personne d'en face, si, je crois. Mais du coup, non. Avez-vous déjà regardé la télé durant... Bah oui. Avez-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Là, aucun souvenir, là. Mais je pense qu'il y a un monde. Mais je vais dire non. Vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous y étiez? Oui, oui, dans le sens où... Bah, tu te réveilles en mode... tu vois? Et en fait, t'en rappelles plus où t'étais. On peut répondre oui dans ce cas-là. Vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non, quand même. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Possédez-vous une Bible ou Coran? Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Ça m'est jamais arrivé, je crois. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, oui. Par exemple, quand tu visites un village ou une ville, tu vois, peut-être, tu vois, des fois, ça m'est déjà arrivé, oui. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Ah, je crois que c'est en mode mentir, parce que j'ai menti pour améliorer mon score, je crois que c'est ça. Ah non, du coup. Ah, je suis un pur! Oh non! Oh non, je suis un pur! Est-ce que ça m'étonne? Est-ce que vraiment ça m'étonne? Non. Quoi? Je suis 13% moral, mais c'est une dinguerie par contre! Attends, mais j'ai 13% de moral. Quand même 115 points. Les scores peuvent aller de moins 40 à 103. La moyenne est de 100. Ah, ça va. Là, si moi, je devais me décrire. Bien sûr, je suis pur, mais mon gars. On a tous cet instinct de tester. Ça veut pas dire qu'on va prendre ça tout le temps. Ça y est, il me dit 40% de drogue. Ça y est, toi. La drogue, j'ai. Vas-y, c'est bon. Ce qu'un mec impur dirait, ouais, c'est vrai. Génial, les gars, franchement, super, vous me soutenez trop bien. Super le test de pureté. Après, je suis dans la moyenne, hein. Je dis ça, je dis rien, je suis dans la moyenne, ça va. Mais je savais que c'était une mauvaise idée de faire un test de pureté. Là, du coup, je me vois comme un mec impur. Et je m'en bats les couilles, je suis comme je suis. On n'a qu'une vie.